Bonjour et bienvenue pour ce petit direct. Aujourd'hui, je change de décor et je vous propose un petit direct du jardin. Vu que le temps est super doux et agréable, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite méditation en direct du jardin de mes beaux-parents. Alors derrière moi, il y a un mirabellier. Pour celles qui sont de notre territoire, ici le mirabellier c'est une plante tout à fait, enfin c'est un arbre tout à fait commun et c'est assez connu même en dehors de notre territoire. Alors, je me suis dit qu'on allait profiter de ce soleil et de ce temps agréable pour faire une petite méditation. Pour une fois, je ne la guiderai pas avec un instrument, juste avec le son de ma voix. Personnellement, je me suis adossée contre le mirabellier. J'ai le soleil juste là. Donc, je vous propose cette petite méditation très spontanée. N'hésitez pas à faire des commentaires pour celles qui la regarderont en replay. Elle sera disponible sur ma chaîne et dans le groupe de notre cercle de femmes et sur mon compte Facebook ainsi que sur Instagram et sur le blog directement. Alors, je vous propose de vous installer bien confortablement. Peut-être que pour vous aussi, il est possible d'aller dans le jardin ou sur votre balcon. Trouvez une position dans laquelle vous pouvez être confortable pendant plusieurs minutes. Puis, je vous propose de fermer les yeux et de prendre une profonde inspiration. Et on expire. Et à chaque inspire, on glisse vers notre intériorité. Puis, je vous propose d'imaginer que pour cette méditation, nous nous trouvons dans un bois sacré, un espace merveilleux dans une forêt. Laissez venir à vous le bois sacré qui se présente à vous. Laissez-vous imprégner par ce bois qui se dessine pour vous. Peut-être qu'il y a des chênes, des bouleaux, des fleurs peut-être aussi. Laissez-vous porter par l'inspiration et installez-vous confortablement dans ce bois sacré où nous sommes toutes installées en cercle, paisiblement, assise, à même le sol, tranquillement. Peut-être que vous êtes adossée contre un arbre, ou pas. Peut-être que vous êtes proche d'une fleur dont le parfum arrive jusqu'à vous. Laissez-vous border par ce bois sacré dans lequel nous sommes toutes ensemble déposées. On continue d'inspirer profondément et on expire. Et là, tout devient beaucoup plus perceptible. Les odeurs, la lumière, tout est bien. Il n'y a plus rien à penser, plus rien à réfléchir. Vous êtes juste présente. Là, parmi nous, se trouve aussi une multitude de variétés de roses. Car nous sommes réunis dans le bois sacré, des femmes des roses cosmiques. Ce bois sacré dans lequel nous aimons nous recueillir à chaque fois que nous nous connectons ensemble.
Puis, vous portez votre attention sur votre utérus, votre arbre utérus. Vous vous sentez bien installé dans votre base, de profondes racines s'enfoncent dans Dana, la mère terre, notre mère à tous. Peut-être que vous l'appelez Gaïa ou autrement. Quand bien même, vous êtes enraciné profondément dans la terre mère. Bien ancré par votre arbre utérus, dont les branches se déploient au fur et à mesure. Elles représentent nos ovaires, nos magnifiques joyaux de femmes. Vous portez toujours votre attention dans votre arbre utérus qui s'illumine d'une énergie lumineuse, argentée. Elle remplit tout votre espace, tout votre chaudron sacré. Et à mesure, vous sentez cette énergie, cette lumière, vous envelopper de l'intérieur. Cette lumière est apaisante. Elle grandit à mesure que votre arbre grandit. Vous devenez cet arbre tout entier, un arbre scintillant, magnifique, au bout desquels peut-être commencent à bourgeonner des fleurs qui deviendront des fruits. Vous devenez tout entière cet arbre magnifique. Vous êtes empli de cette énergie pure, sublime, lumineuse. Là, vous êtes votre arbre utérus. Vous êtes cette énergie argentée, dorée, au reflet rose. Vous grandissez encore et encore jusqu'à ce que vos branches touchent l'infinité encore. Et vous vous déployez. Vous vous connectez aussi aux racines des sœurs assises tout autour dans ce bois sacré. Nous sommes toutes liées, nous formons à notre tour notre propre bois sacré. Vous inspirez profondément. Vous expirez. Encore, en douceur, vous inspirez et vous expirez, vous goûtez à cette quiétude ici et maintenant, installée dans le bois sacré où nous sommes toutes installées présentement. Vous êtes enveloppé par cette chaleur des rayons du soleil de cette magnifique journée. Tout est bien. Vous êtes bien. Vous êtes connecté à vous-même, à votre cœur sacré qui brille de plein de variétés de roses. Vous portez votre attention maintenant sur votre cœur. Votre cœur est magnifique. Il est d'une couleur rose argentée. En votre cœur se déploie une rose dont l'odeur vous enveloppe. Cette rose si unique que vous êtes. Vous goûtez à l'espace de quiétude dans votre cœur, dans votre cœur. Puis, vous portez votre attention désormais au niveau de votre couronne.
votre magnifique couronne. Laissez apparaître à vous la couronne de votre choix. Peut-être qu'il s'agit d'une couronne de métaux précieux ou de fleurs peut-être. Accueillez cette couronne qui vient sublimer cette femme magnifique que vous êtes, incrustée dans cet arbre. Là, vous continuez à prendre de la hauteur. Et c'est comme si vous vous percevez de l'extérieur. Vous percevez au loin la femme magnifique que vous êtes, ancrée dans Dana, brillante dans son cœur sacré, couronnée telle la déesse que vous êtes. Puis, vous retournez vous installer dans votre corps. Prenez quelques instants encore pour goûter cette quiétude dans laquelle vous vous trouvez maintenant, parmi les sœurs, dans notre bois sacré des roses cosmiques. Tout doucement, vous remontez à la surface de vous-même. En prenant une grande inspire et expire, à mesure, vous remontez à la surface. Vous prenez conscience une nouvelle fois des bruits alentour où vous vous trouvez maintenant. Vous pouvez bouger vos mains, commencer à bouger en douceur. Prenez le temps qu'il vous faut. Puis, dès que vous vous sentez prête, ouvrez les yeux et souriez. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Voilà. Je vous souhaite une belle poursuite de journée, qu'importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.